Bonjour à tous et bienvenue à votre tête de bourse avec Trading Central. On commence dans l'actualité avec Michelin, le fabricant de pneumatiques, qui a annoncé son intention de fermer le site de Dodon au Royaume-Uni en 2020. Ce site emploie 845 employés du groupe. Les analyses de Trading Central sont baissées et visent des cibles à 84,43 et 77,6 euros. On continue toujours dans l'actualité avec Thales. Le groupe de défense a annoncé avoir obtenu contrat auprès de China Southern Airlines pour équiper les Boeing 737 MAX et les Airbus 320 NEO de la compagnie aérienne chinoise de composants avioniques. Aucun montant relatif à ces contrats n'a été communiqué. Les analyses de Trading Central sont haussées et visent des cibles à 124,6 et 131,7 euros. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Saint-Gobain. Graphiquement, le titre reste sous pression après avoir été stoppé son rebond technique à l'approche de nouvelles résistances horizontales des 34,3 euros. Du côté des indicateurs techniques, le RSI journalier n'est pas parvenu à dépasser sa zone de neutralité des 50%, tandis que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours restent mal orientées. Ainsi, un prolongement de repli est attendu avec comme pour objectif les prochains supports à 31 et 29,5 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter sur l'achat du Warren Put 95-58T émis par UniCredit du prix d'exercice de 30 euros et de maturité au 15 mars 2019. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien reste bien orienté après avoir rebondi sur une zone de support autour des 4897 points. Du côté des indicateurs techniques, le RSI journalier évolue aux environs de sa zone de neutralité des 50%, tandis que les moyennes mobiles à 20 séances jouent un rôle de support. Ainsi, une reprise de la progression est attendue avec en ligne de mire les cibles situées à 5221 et 5300 points. A cet effet, afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter sur l'achat du Warren Call 4329T émis par UniCredit de prix d'exercice 5200 points et de maturité au 15 mars 2019. À la Bourse de New York, on est mardi après-midi. C'était Loris Imbert pour Trading Central. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.